Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, gars, pour la suite de notre série Pack 2 Division 1. Donc déjà, plusieurs choses à vous indiquer. On a eu, que je regarde les likes de mon côté, on a eu environ un peu plus de 1000 likes. Donc ça correspond à 3 packs. 3 packs. Ensuite, dans les commentaires, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, Cyril, tu t'es pris un but. Donc je sais pas, j'ai pas vérifié, je vous fais confiance. Tu t'es pris un but... Enfin, Benteke a dribblé ton carrière, du coup ça fait moins un pack, c'est ce qui était dans les bonus malus crédit. En parlant de bonus malus crédit que je regarde, j'en ai pris deux nouveaux. Si je marque en lobant le gardien, j'ai le droit à un pack. Et si je fais plus de 60% de possession à la fin du match, j'ai le droit à un pack. Et un petit malus, c'est si je me prends un but suite à un montant, donc genre le mec il tape sur la barre, barre rentrante, poteau rentrant, ça fait moins un pack. Je rappelle que les bonus malus, c'est vous qui me les proposez, hein. C'est pas moi qui les invente, c'est vous qui me les proposez. Donc si vous voulez en proposer d'autres, malus ou malus bonus, enfin c'est vous qui voyez, proposez dans l'espace commentaire. Et normalement, si j'ai pas oublié, dans la description il y aura les bonus et tous les malus. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, c'est bon. Donc on va partir normalement pour 3 packs, plus le pack gratos. Le pack gratos n'influe pas sur la série, c'est les packs suite aux précommandes, tout simplement, du jeu. Donc on va ouvrir le pack gratos, et au lieu d'ouvrir 3 packs, vu qu'on a plus de 1000 likes, je vais en ouvrir que 2. Vu que j'avais oublié que Benteke avait dribblé mon gardien, ce qui m'enlève un pack. Donc 3-2, 3-1, ça fait 2. Voilà. Premier pack, on chope Yangame. Ah, Yangame Biwa, tiens. Pas mal. Brom, tu nous intéresses pas du tout. Gonul, non plus. Par contre, Yangame Biwa, on va garder. Je pense que Yangame Biwa, on va le garder. Ça va être intéressant. Donc, on va partir pour l'ouverture de 2 packs. Il y a des packs à 25 000. Hein. Attendez que je réfléchisse. 7, 15. Non, c'est pas intéressant, on va pas en ouvrir. On verra après, peut-être pourquoi pas un bonus, ouvrir un pack à 25 000. Je sais pas. Allez, premier pack, on chope Gokhan Inler, ok, avec Berbatov. Ah, ça c'est intéressant. Inler, c'est pas intéressant, puis il se vend pas. Par contre, Berbatov, c'est intéressant, pourquoi? Parce que pour la Ligue 1, on commence à avoir des petits joueurs devant. Pourquoi pas faire un petit match avec l'équipe devant. Et on va ouvrir le dernier pack, les gars. Avec Griezmann, tout simplement. Allez, Griezmann. Ouh, Fabiano. Ah, Braithwaite, tiens. Un petit joueur, pourquoi pas, on prend. Fabiano Porto nous intéresse pas. Par contre, Braithwaite, on va le garder. Stambouli, quoi que pour Team France. Bon, on sait jamais. On va garder. Et voilà, donc je pense avoir ouvert les packs nécessaires. On va vite fait. Je vais vite faire regarder un petit truc. Déjà, qu'est-ce que j'ai vendu? Qu'est-ce qui s'est pas vendu? Ouais, c'est juste les contrats que j'ai vendus. Rien de bien. Méchant, pardon. On va, allez, vite fait faire un petit tour dans la Team Ligue 1. J'espère, pourquoi pas. Alors, après, peut-être qu'on est le 10e épisode, j'aurais peut-être droit d'ouvrir 2 packs spéciaux. Quand il y en aura, pourquoi pas, on a par tranche de 10 épisodes, pourquoi pas. Je me suis dit, ça pourrait être sympathique. Oui. Alors, ça, une autre chose. Si beaucoup de gens me disent, à chaque fois que tu dis le mot sympathique, tu enlèves un pack. Ouais, bah, à la fin de la série, on est à moins 3 500 000 packs, hein, je vous le dis. La Team Ligue 1 commence à prendre vraiment forme, on a 2 buteurs. Est-ce qu'on a un défenseur droit? Si on a un défenseur droit, je pense qu'on va opter pour un petit match. Avec la Ligue 1, on a Jakobsen. Bon, ben voilà, je pense qu'on va partir avec un petit match avec la Ligue 1. On n'a pas de joueur entraîneur de Ligue 1. Que je regarde Colombie, non, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La Team Ligue 1 est quand même moyenne, hein. Je sais pas, on est en quelle division? 8 quand même? Ouais, non. On va pas jouer maintenant avec la Team... Avec la Ligue 1, pourquoi? Parce que bah on n'est pas très loin de remporter le titre, etc. Donc j'ai pas envie de prendre de risques. On va partir avec la Bundes. Normalement, elle doit être reposée. 82 de forme, c'est parfait. Je regarde au cas où je n'aurai pas des fois un petit joueur de BPL que j'ai pas mis sur le banc de touche qui est fatigué. Eriksen joue. Voilà, faut que je mette Eriksen qui ne joue pas. Bram, donc il ne joue plus. On va mettre Coutinho. Et Seth joue. Distinci joue encore lui. Koné ne joue plus, c'est sûr et certain. Voilà. C'est sûr de bien reposer tous les joueurs. Et mettre Vargas, c'est le seul qui manque normalement que je regarde. Vargas, on a Kekirini. Ouais, c'est le seul qui manque. Donc on va partir, les gars. Un petit match avec cette équipe. Donc j'ai changé un peu de matériel. Hein. Vous pouvez voir, nouveau micro pour ceux qui l'ont déjà vu avant. J'ai aussi opté pour la Vermedia Extreme UCAP U3. Donc en gros, il n'y a pas de latence. Je joue directement sur l'écran de mon PC si vous voulez. Donc normalement, ça devrait être bon. C'est des petits problèmes, mais bon. Histoire de maîtriser un peu, c'est la première fois que j'utilise le logiciel. Pour les lives, c'est parfait parce qu'il n'y a aucun décalage, voix, micro, enfin c'est parfait. C'est pour ça que je l'ai pris tout simplement. Donc l'équipe est bonne. Est-ce qu'on a d'autres joueurs de Bundes, des fois au cas où, hein, qu'on s'est perdu, qu'on a oublié,
Un jour de ouf. Alors, Muller. Ah, derrière Santana. Ah, bah derrière, on va mettre Santana, ça va être obligé. Parce que Zambrano est très très beau, mais Santana, hein, c'est le joueur cheat ultime. On va remettre Vargas, du coup. On va remettre Vargas. Et on va partir, les gars. Par contre, on voit pas le temps qui rec. Je vais regarder. Ah, si, ça fait que 5 minutes. Oh, c'est bon, ça fait que 5 minutes que je rec, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est où, Vargas? Il est là. Est-ce que j'ai eu d'autres joueurs des fois? On sait jamais, de Bundesliga, que je regarde vite fait, les gars. Voilà, je fais tout en live, vous aimez. Et au moins 2 épisodes par semaine. Alors, défenseur gauche, non. Milieu droit, on n'en a pas besoin. Devant, Raphaël, on a. Non, non, non. On va rester comme ça, grosse creute en défenseur droit. Ah, ouais, et peut-être mieux que Pekarik, hein. On va voir. Vitesse, pas mal. Défense, physique. Allez, hop, on change, grosse creute. Il n'y a pas de joueur allemand pour soutenir le collectif. Quoi qu'on a peut-être organisateur. Non, bon, c'est bon, il est belge. Allez, on va partir, les gars, pour le premier match. Je rappelle, je vais vous montrer un peu ce qu'il nous reste. Il nous reste quoi? 4 matchs à faire, je crois. 4 matchs. Si on gagne les 2 prochains, on est sûr. Enfin, on a le titre. Donc, on a titre plus division plus montée. Ça fait la blinde de Pâques. Ça va jouer aujourd'hui, les gars. Certainement, aujourd'hui, dans cet épisode, il va falloir faire 2 victoires. On a l'équipe qu'il nous faut. On a 2 équipes très compétitives. La Ligue 1 et la BBVA, c'est des équipes qui sont un peu en retard. Il manque des joueurs. En Ligue 1, il manquerait pas mal de petits joueurs. En BBVA, il nous manque des joueurs vraiment bons devant. Un joueur qui fait la diff, un Mandzukic, qui tient un Benzema, un joueur comme ça. On a trouvé un adversaire, c'est parfait. On va jouer, bien sûr, avec le maillot violet. Change ton maillot. Ok, voilà. On veut jouer avec le maillot violet. On veut jouer avec le maillot qui nous porte chance, les gars. Potato, FC Potato. Une team Ligue 1. Une team Ligue. Ligue 1, Ligue 1. Alors, lui a quand même une attaque meilleure par rapport à la mienne, hein, c'est sûr. Devant Lucas, Lavezzi et Alexandre Lacazette, c'est très rapide. Le terrain, très bon. Pastore en MDC, je suis pas fan. Après, c'est son choix. Allez, les gars, c'est parti pour le premier match. On va tenter de le remporter. Let's go! On va attendre, on verra. Oh oui! Maxime qui intercepte. Et Maxime, la vitesse de Maxime, le petit scoop turn. Le petit dribble, tu finis. Et tu tires à côté, ok. Allez, voilà. Stranzel, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, Stranzel. Oula, la mauvaise relance par contre. Pas de but. Putain, on se prend un but, les gars. On peut rien faire. Franchement, on peut rien faire sur cette action. 6 minutes de jeu, déjà 1-0 pour l'adversaire. Enfin, récupérer. Basque récupère. Ça c'est bien joué. Maxime, un petit jeu. Oh! Il fait chier lui. Ah, genre. Quand Pastore il est aussi bon défensivement, tiens. Ça veut jouer dans le dos d'Ivica, le petit centre d'Ivica, la petite tête, la petite tête. Voilà les gars, c'est Dost. C'est Dost qui va mettre sa grosse tête en même temps. C'est un joueur qui est fait pour ça, un très très grand, pas très rapide, un bon physique, un bon jeu de tête. C'est voilà, on égalise 30, 38e, c'est mérité hein, parce que l'adversaire a eu une seule occasion et un but, donc je trouve ça mérité d'égaliser la tête de Dost. Voilà. Allez, on va tenter. Hein. C'est peut-être la fin de la mi-temps, donc on va tenter. Marquer un but sur coup de pied arrêté. La tête! Et c'est fini. Eh bien, les gars, c'est la mi-temps. On mène, on domine notre adversaire assez facilement, on peut dire. Bah, disons qu'il a eu une occasion, vous l'avez vu, hein, je crois que c'est un but à la 3e ou la, non, à la 6e, je crois. But de Lucas, je sais plus. Bref, en tout cas, il mène un peu, un peu par chance, on va dire ça. On a eu pas mal d'occasions. Maxime s'est créé deux occasions à la 3e et à la 40e par là. Et il a pas pu la mettre au fond, malheureusement, après un petit dribble, etc. En tout cas, on égalise, c'est mérité. C'est un centre venu de la droite, de Olic qui rentre un peu dans la surface, qui centre pour Dost, qui met la tête, voilà. On égalise, c'est essentiel, mais à la mi-temps, il y a seulement un. Il va falloir marquer des buts, hein, c'est ce qu'il faut de toute façon. Allez, on part les gars pour la seconde période. Let's go. Maxime pour Ivica Olic. Le petit dribble de Olic qui rend les pieds de Maxime, qui élimine un joueur. Et voilà! Merci Maxime, les gars. Il a dribblé 2, 3 joueurs, je crois, en faisant un scoop turn. Ça fait plaisir. 2-1. Ouais, on va revoir ça au ralenti. Je crois que le scoop turn élimine. Ouais. Bon, il élimine pas grand monde en fait. Pas grand monde. Mais on mène, c'est l'essentiel. Allez, on part en contre. Maxime. Avec Ivica. Oh, l'Ivica. Ivica. La vitesse d'Ivica était pas forcément très rapide. Mais t'arrives à tenir quand même. Le petit centre d'Ivica. La tête. Oh, bah oui. Doublé de Maxime, les gars. Bon, alors là, marqué de la tête, il me semble que c'est Maxime hein, ou c'est Dost. Je sais pas, je vois pas. C'est Thorgan Hazard, il me semble. Hein. Si je dis pas de conneries, numéro. Ah, si, c'est Thorgan Hazard, je crois. Hein. Ouais. Pas but de Thorgan Hazard de la tête, ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait plaisir. C'est pas un beau but. Mais on marque, c'est essentiel. Eh bien, les gars, c'est fini. Oui, c'est ça, c'est fini. Assez victoire, c'est facile, on peut le dire.
On va voir les stats, on a dominé nettement, nettement notre adversaire. Un adversaire qui est un peu fébrile défensivement, faut le dire. Offensivement, il n'a pas posé de problème, à part un petit but. J'ai juste un peu douté au début, c'est vrai, parce qu'il a marqué un but assez rapidement à la 7ème minute grâce à Pastore. Mais sinon, on a su faire un bon match. On aurait pu marquer plus de buts hein, si Maxime Lalor aurait fini ce genre d'action. Il dribble les joueurs, il marque pas, c'est dommage. On va voir qu'est-ce qu'on a remporté. Donc 9-1, 9-1, 8-1. Ok, donc personne. Ah ouais, je pensais qu'on allait avoir des packs parce que Stranden a fait un très bon pack, très bon match. Mais je pensais qu'il y a quelqu'un avoir une bonne note. On va voir ça. Alors, on va ressortir les notes, les bonus malus. Petite promotion passive avec le gardien, je pense pas, on sait jamais. Passe décisive avec qui? Non, Olic. Pas de doublé, pas de triplé, pas de rire machin. Marc, on n'a pas lobé le gardien, je pense pas. Au malus, on s'est pas pris. Non. Bon bah là, aujourd'hui, un match sans pack. Bizarrement, j'aurais pensé qu'il y a quelques petits joueurs qui auraient pu avoir une 9 de notes, etc. Mais bon, c'est pas grave. On remporte 516 crédits, ça fait plaisir. On voit vraiment qu'on a dominé notre adversaire, regardez. Hein. 15 tirs pour nous, 10 cadrés contre 2 pour l'adversaire, seulement 2 cadrés, une possession pas mal. Pas malheureusement 60% de possession, c'est dommage. On est maintenu, donc on va peut-être ouvrir les packs du maintien, je sais, enfin de la promotion. Si on est promu, c'est un pack. On va ouvrir le pack de la promotion et si on a le titre, on ouvrira les packs juste après. Donc c'est bon, on va ouvrir nos packs. J'ai fait une petite ellipse parce que j'ai un truc à faire entre temps et après on se reprend tout juste après. Donc avant, on va ouvrir les packs, ne vous inquiétez pas. Alors, on va ouvrir le pack de la promotion vu qu'on est sûr d'être promu. Voilà, ça fait tout autant plaisir. Allez, le pack, j'espère choper du lourd. Pourquoi pas un pack avec un petit Shane Long Boost? Pourquoi pas? D'accord. Alors. Lui, on a Casillas, c'est pas intéressant. Toi, Kashi, on a DMD, c'est pas la peine. Non, pas ça. Pas ça, pas ça. Par contre, Ben Yedder, on va le garder. Devant, on a que Braithwaite et Berbatov, on verra. Les cartes formes, bon, j'y listerai un peu plus tard. Les contrats, pareil. Les contrats, on va d'ailleurs y lister. Oh, moi, je me fais pas chier, je mets ça. Hop, on verra bien si ça part. Donc, on va vite fait aller ouvrir nos packs avec nos crédits, vu qu'on a le droit. Enfin, hein, vous avez compris le système maintenant. Les crédits servent que à ouvrir des packs. Je fais une petite ellipse et on partira pour le second match qu'il faudra remporter pour avoir le titre de Division 8. Let's go, on passe Montréal. Ouais, pourquoi pas. Lui, je sais pas, peut-être qu'il pourrait attendre un petit peu. Dominguez, tu nous intéresses pas. Ça, on y fout là-bas. Le logo de l'Atlético, on va changer. On change un petit peu le logo aujourd'hui, j'en ai envie. Et le reste, on va bien sûr conserver. Voilà, donc les gars, je fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite pour un second match. Eh bien les gens, c'est bon, je suis de retour. Donc on va renchaîner les gars, second match. On va partir avec la BPL. Je rappelle que si on remporte ce match, on a le titre de la Division 8, donc ce qui est quand même assez intéressant. Alors que je regarde vite fait, voilà, fatigue, ouais, ça se fait ressentir. On va partir bien sûr avec la BPL, très très bonne équipe, c'est la plus compétitive qu'on a. Je vérifie. Alors lui, Pekarek ne joue plus, donc je vais juste remettre sur le bon tous ces joueurs qui sont un peu fatigués. Normal. Alors le retour de Santana et qui c'est qui joue plus? C'est Zambrano normalement pour Grosse Côte si je dis pas de conneries. Grosse Côte est là. Et voilà, l'équipe va bien. On va mettre un petit contrat à Monsieur Ramirez pour voir un peu. Enfin, pour pas qu'il ait un contrat en manque de contrat après. L'entraîneur, c'est bon, la forme ça va. Le dispositif c'est parfait. On a une très bonne défense. Vraiment rien à redire. Donc, on va partir pour le second match. Je m'installe comme il faut. J'ai allumé l'ampoule, enfin l'éclairage, pour que vous voyez un petit peu mieux à la cam. Et puis voilà. J'espère remporter ce match. Ça serait vraiment très intéressant. On a une équipe de BPL qui est la plus compétitive possible. Une bonne attaque. Shen Long qui fait que de marquer des buts. Hein, c'est énorme. Vargas qui peut tout faire, passe et marquer des buts aussi. Coutinho vraiment bon. J'aime bien. Merde. Ah, on n'a pas joué avec le maillot rouge. Le maillot violet. Attention. Des importés malheurs, je sais pas. Là, c'est un 4-3-3-4, je pense qu'il a l'adversaire. On va voir ça. 82 notes. Oui. Oui. Une team Ligue 1. Une team Paris. Une team Paris. À part un petit Cavani. Un petit Cavani. Un petit Ezek. Oh putain, merde. Un petit Higuain, pardon, qui s'est perdu. Mais sinon, ça reste une équipe assez banale. Allez, c'est parti, les gars. Enfin, une équipe banale, vous m'avez compris. Allez, les gars, c'est parti pour le deuxième match. Let's go. Sérieusement, je fais quoi, moi, il y a trop de gens. On frappe alors. Premier tir, dégueulasse.
On va servir Eriksen, long de la ligne. Il y a qui? Thiago Silva en face. Par contre, au centre, il y a personne. Si, il y a du monde. Il y a Shane Long. La tête de Long! Golasso! Voilà, les gars. Long est énormissime, les gars. Hein. Franchement, je sais pas s'il est grand. J'ai pas fait attention à sa taille. En tout cas, par rapport à Coutinho, il n'y a pas grand-chose. Donc, je sais pas. En tout cas, Eriksen qui travaille le long centre. Et la grosse tête. Boum! En face à Maxwell. De Shane Long, 1-0. Avec Vargas pour Shane Long. Enfin, Shane Long pour Vargas. Penalty! Ouh! Penalty, les gars! Qu'est-ce que ça veut dire penalty? C'est-à-dire qu'on va le tirer avec le gardien et si on le marque. C'est bien ça normalement. Penalty, ouais. Par contre, si on le rate, on se fait baiser, je crois. Hein. Il me semble, hein. Je vais avoir ça. Je vais regarder les bonus en même temps que vous. Rater un penalty, c'est moins impact. Donc c'est simple. C'est soit on le marque avec le gardien, on a impact, soit on le rate et on se fait baiser un pack. On va prendre des risques, on s'en fout. On est là pour prendre des risques, on est là pour ouvrir du pack. On pourrait tirer avec Long. Je réfléchis. Attends, si je mets un triplé avec un joueur, ça fait quoi? Triplé avec un joueur. Un pack aussi. Ouais, donc on va pas prendre de risque, on va faire tirer que. Enfin, on va prendre des risques justement. Tirer avec Sech qui a 43 en penalty. À droite, à gauche, au milieu. Où les gars? Putain. Je tire où les gars? Dites-moi. Puis les gauchers. Oh, j'aime pas les gauchers. Faut bien viser la barre. Faut pas que ça lag. Oh, la barre. La barre, elle est bonne. On va tirer à droite. Eh oui! Merci Sech les gars. Hop, la petite célébration du gardien. Un petit pack offert grâce à Sech, grâce au penalty. Ça fait plaisir les gars. On va voir ça la finition. Pff. Je retire avec Ronaldo, c'est pareil. Je suis très très bon. Allez, 2-0. Non. Non. Bon, ça, c'est pas une PES. Hein. Je vous le dis, l'IA. C'est pas une PES. Parce qu'une PES, c'est quand il n'y a pas de. Enfin, face à face au gardien. Là, il a fait une passe normale. J'aurais fait pareil aussi. Mais en tout cas, il égalise 2-1. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Enfin, il égalise. Non, il égalise pas. Il y a 2-1. Mais il revient. Ça, c'est pas bon. Ah, pour moi, c'est pas une PES, on va voir ça au ralenti. Non, c'est pas une PES. Le gardien est trop loin, gars, ça coupe plus tôt. Ça fait chier quand même. C'est pas grave. Ok, mi-temps, les gars, donc on mène 2-1, on s'est pris un but de merde à la fin, j'ai pas été attentif du tout. On domine, c'est essentiel. On a quasiment 60% de possession, donc peut-être un pack à la fin, on verra bien. Et on repart directement, les gars, pour la seconde période. Oh non! Putain! Le mec a 3 occasions dans le match, il t'impose 2 buts. Bien joué, on va jouer avec Eriksen. Allez, Eriksen, le travail, le petit centre, il n'y a personne. Mais par contre, là, il y a Long. Et. Allez! Allez! Ah oui! Golasso! C'est encore chez Long. Erreur défensive de David Luiz qui se paye cash, on va revoir ça en ralenti. Je pense pas que c'est un but dribblé par le gardien. Ouais, non, c'est pas un but dribblé le gardien. Même s'il n'y a plus de gardien, c'est pas à dribbler. Oh oui, Shane Long. Va mettre ton triplé. Va mettre ton triplé! Golasso! Shane Long, 4 buts à 2, les gars. Ça, c'est bon. Ça fait plaisir, comme on dit chez nous. Voilà. Hop, arrêtez la passe. Elle est parfaite. Et Shane Long qui va finir. Très beau match, en tout cas. Hein. 6 buts déjà en 70 minutes, ça fait plaisir. Oh oui. Oh oui, Navas. Oh Navas! Navas, Navas, encore une fois Navas. En retrait. Yalon. Et boum! Voilà! 5-2. 4 buts de Shen Long. Eh bien les gars, c'est la fin du match. Victoire 5-6-2. Je sais même plus. On va voir ça. Complètement. Il me semble que c'est 5. Hein. Je sais pas, je vais regarder. En tout cas, victoire importante qui nous offre les 3 points, qui nous offre le titre de la division. Donc on aura le droit à 3 packs pour le titre de la division. Le triplé de Shen Long, un pack. Le but de Sech sur penalty, un pack. Donc, on a le droit à 5 packs pour le moment. Peut-être plus avec le note de match, on va voir ça. Et ben, un pack de plus, puisque Long a 9,8. Je rappelle que si on a plus, enfin, inférieur, enfin, supérieur ou égal à 9,5, on a un pack en plus. Donc, je répète, 3 packs pour le titre de la division. Vous voyez mes doigts là, 3 packs pour le titre de la division. Le but sur penalty de Sech, donc 4. Le but de Long grâce au triplé. Ensuite, il a eu. Attendez, je fais ça en fait. Hein. 3, 2, 5. Ouais. En plus, il a marqué. Enfin, il a 9,5 de notes. Ça fait déjà 6 packs à ouvrir. On n'a pas de malus. J'aurais pu compter une PES. C'est mitigé. C'est mitigé. Vraiment, c'est mitigé. J'aurais pu compter aussi un pack parce qu'on a dribblé son gardien. C'est pareil, j'y compte pas. C'est approximatif. C'est pas vraiment un vrai dribble.
Donc c'est bon, je pense avoir fait le tour. La possession, on n'a pas passé malheureusement. On n'a pas lobé le gardien. Je regarde, on a pas marqué sur coup franc. On s'est pris des buts malheureusement. Le titre, c'est parfait. Toujours du même club, machin. Non, c'est bon. Donc on va ouvrir nos packs. Et vu que c'est le 10e épisode, on va marquer ça. Tout le 10e épisode, tous les 10 épisodes, on aura le droit d'ouvrir deux packs spéciaux. Aujourd'hui, il y a deux packs à 25 000, donc on ira les ouvrir. Voilà. C'est, disons, pour donner un peu de tonus à la série. Donc, on va partir pour l'ouverture des 6 packs déjà. Donc, le pack déjà du penalty de Sech. Déjà. Penalty de Sech. Boum! Alors, lui, peut-être qu'il se vendra. Dudziak, intéresse pas du tout. Ça, on y fout là-bas. Donc, le penalty de Sech, c'est fait. Je vais y noter de mon côté 1. Ensuite, on va ouvrir le penalty de Sech, c'est fait. On va ouvrir le triplé de Shenlong. Ok, de la merde. Alors, lui, il se vendra pas. Perrin, je sais pas si on a un gardien de Serie A, on verra bien. Silesen, non plus. Par contre, il me semble qu'on n'avait pas de gardien de Serie A. Là, on pourrait peut-être partir dans une Serie A. Donc, on a ouvert deux packs. Le triplé, c'est fait. La note de 9,8, je crois, de Shenlong. Un pack. Boum! Ok, putain, mais donnez-moi un bon joueur. Allez, là. Parker, on s'en fout. Commons, on s'en fout. Lui. Oh, il a une belle carte, lui. On verra. Voilà. Et on va ouvrir le titre de la division qui nous offre. Ah, attendez, on a gagné 5-2 aussi, les gars. On a gagné 5-2. Victoire supérieure ou égale à 3-0. Donc on envoie encore deux packs. Donc je rappelle, on va ouvrir les deux packs pour la victoire supérieure ou égale à 3-0. Vu qu'on a gagné 5-2. Hein. 5 moins 2, ça fait combien? 3, c'est ça. On chope Island. On verra bien. Virinia, je pense pas. En conserve. Donc hop, on a ouvert. Un autre pack. Non, je crois que je vais m'y perdre. Comptez votre côté parce que je crois que j'ai oublié. Hein. Voilà. Il nous reste encore un pack pour la victoire 3-0. Et après, il nous restera 3 packs pour la titre de division. Farandao, putain, mais donne de la merde là. On s'en fout ça. Ah, lui, par contre, ce joueur, je l'aime bien. Lui. Regardez, lui, il a vraiment une belle carte. Hein. Peut-être qu'on le fera jouer. On a pas grand-chose là. Pas grand-chose. Et donc, c'est bon. Et on va ouvrir les 3 packs. Pour. Je vais avec mes crédits là. Ah merde, je vais avec mes crédits donc ça compte pas. Hein. Je fais une fail, c'est pas grave. Ah, Sissoko, tiens, Arshavin, tu nous intéresses pas. Arnautovic, tu se vendras. Bon, les deux vont certainement se vendre un petit peu. Donc je vais jouer avec mes crédits, ça change rien de toute façon. On va ouvrir maintenant nos 3 packs grâce au titre de division. S'il perd un peu, c'est un peu compliqué. Mais tellement de packs de tous les côtés qu'il faut s'en rappeler. Et puis quand vous êtes en vidéo, il faut penser à plusieurs choses en même temps donc c'est chaud. Boum! Ah, Colo-Touré, Caballero, pourquoi pas. Alors lui, Oukra, tu ne vendras pas, tu ne vendras pas. Eder, non. Ok. Allez, encore deux packs pour le titre. Et après, on y reverra deux packs à 25 000 vu que c'est le 10e épisode. On fait ça. Tous les 10 épisodes, s'il y a des packs spéciaux, on ouvrira deux, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on attaque les 3 packs de titre de la division. Premier pack, Tozic. Ça, c'est de la merde, on n'a rien, putain. Moi qui voulais un Shenlong, avec tous les packs qu'on ouvre là, on n'a pas un bon joueur. Dommage, hein. Marquinho, ok, en conserve. Allez, en conserve. Encore deux. Et après, on ouvrira les packs à 25 000 crédits. Si des fois j'en ai oublié, ou je sais pas quoi, vous me donnez les commentaires. Je compte sur vous, vous savez très bien faire ça. Et moi, ça m'aide. Boum! Putain, on a de la merde. Lui, joue, lui. Ouais, mais il s'en fout. M'intéresse pas, lui Mauricio. M'intéresse pas. On n'a vraiment rien, putain. Un peu déçu, un peu déçu. Et le dernier pack, avant d'ouvrir les deux packs spéciaux, donc ça fera une vidéo assez longue quand même aujourd'hui, je pense. Parce que pas mal d'occasions dans les deux matchs, pas mal de buts dans les deux matchs, donc c'est pas mal. Dernier pack, boum! Oh là là là. Je vais te dire boum parce que ça porte chance. Ça porte malheur plutôt. Flamini, tu nous intéresses pas. Lui, Tashki, non plus. Les contrats, on les foutra là-bas parce que je vais les vendre un petit peu. Et voilà. Maintenant, on va ouvrir les deux packs spéciaux, les gars, pour le 10e épisode. On fait ça. Il n'y a que 3 joueurs rares. Pourquoi pas un petit Shenlong Boost Village. Ah, Pogba! Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très, très bon. On fait dignement ce 10e épisode. C'est cool. Krul, je vendrai un petit peu. Vidi, je pense qu'il se vendra un petit peu. Le reste, alors, attention, on sait jamais. Gardien, non. Island, non. Schmidt, milieu droit de Bundes, on n'a pas de milieu ou pas de droit, non, c'est pas intéressant. Pongé, peut-être qu'il peut vendre un petit peu.
Et le reste, on vend. Voilà. Dernier pack, les gars. Voilà, je me suis... C'est un abonné qui a dit, Cyril, qui m'a dit, Cyril, pour tous les épisodes sur Twitter, il m'a dit, fais quelque chose de particulier. Bon, vous ne pas compris, tout simplement. Boum! Santana Gustavo. C'est quoi ce joueur-là? Holo Finjana. Ok, il joue lui. Ok, de la merde. Donc, qu'est-ce qui peut nous servir? Peut-être Astori, pourquoi pas? Parce que Cuadrado pesant un petit peu. Gustavo, on va le garder, ça, c'est pas mal ça. Tadic, non. Icardi, je sais pas. On verra bien. Santana zondra un petit peu. Et voilà. Donc, on va ouvrir un pack avec nos crédits. Normalement, on aura assez. Oh, on a 9000 crédits, donc c'est bon. Et on s'arrêtera là, les gars, pour cet épisode numéro 10 de victoire. Pour l'épisode numéro 10, c'est parfait. On termine sur Rulio César. Ouais, mais ils vendent pas malheureusement. Lui. Et bah, hop, on vend tout. Voilà. Donc les gars, j'espère que cet épisode number 10 vous aura plu, on a eu du lourd, que ce soit dans les packs, on reste sur Paul Pogba. On va vite fait voir un peu le prix de Paul Pogba. On va voir vite fait un épisode qui sera très très bien passé, pas de rage. En même temps, on va pas revenir là-dessus. Pogba il coûte très cher, ça fait plaisir en plus. Deux matchs, on a le titre de la division, on va attaquer le prochain épisode de la division 7. Donc on a quand même 10 épisodes, on est seulement en division 7. Donc ça met du temps, on aura peut-être 40, 50, 70 épisodes, on verra bien. En tout cas, tout se passe très 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 bien, une série qui vous plaît moi aussi. Et moi les gars, je vous dis, on se retrouve très très vite pour la suite de cette série, certainement ce week-end, pour l'épisode numéro 11. Allez, bye bye!